Comment on peut comprendre c'est quoi moi, c'est quoi mon âme et c'est quoi la mission de ma vie? Définitivement, il y a plusieurs des méthodes qui existent, mais nous sommes ici, on va chercher la réponse dans une canalisation, dans un contact direct avec mon âme ou mon esprit, grand esprit, suprême moi. Mon âme qui est en contact avec l'univers, avec les dieux, avec le créateur, avec ces champs informatiques où est-ce qu'on trouve toutes des réponses. Juste encore pour séparer les deux parties, la partie âme personnelle, c'est votre ressenti. Ça, c'est une partie de l'âme que je ne touche pas aujourd'hui. Que connecter avec les chakras du cœur. Aujourd'hui, je vais parler de ce type d'âme ou esprit que plus connecté avec les chakras du troisième œil. Et si la partie d'âme personnelle, on voit comme ça, on peut dire c'est ego, c'est moi, personne ici sur la terre qui je suis, dans cette vie ici, pas mal. L'âme individuelle, esprit individuel des grands moi, des grands soi, ou les parties des grands, des Brahman, c'est toujours l'âme qui vibre avec les vibrations un peu différentes. Et si je bien expliquais que c'est l'âme qui est même partie des dieux, ou même partie des grands, ou même partie des créateurs universels. Qui garde toute cette information, qui je suis, c'est quoi la mission de moi, c'est quoi mon esprit, mon âme, à propos des missions, des missions, oui, de mes talents. Et j'aimerais vous donner cette fois-ci quelques exemples. Probablement, ça va nous donner la chance simplement à comprendre plus en détail ou penser à soi-même. Les exemples que je vais partager avec vous, c'est simplement les exemples dans ma pratique. Dans la pratique, quand derrière moi cette semaine ici, comme dimanche ici, j'ai initié six pers quatre personnes, cinq personnes dans une pratique Reiki, Reiki 2. Et dans notre école, avec initiation, il y a le moment quand moi, je suis grande maître de Reiki, quand moi, maître de Reiki, je dois entrer en contact. Quelle partie de moi entre dans le contact? Moi suprême, mon âme ou mon esprit doit entrer en contact direct avec cette personne qui je vais initier en Reiki. C'est-à-dire que quand je fais initiation Reiki, selon notre école indienne traditionnelle, il y a le contact, l'âme suprême, l'âme suprême. Il y a les rituels particuliers. Quand quelqu'un veut être maître Reiki, enseignant Reiki dans notre école, c'est sûr que je partage tout ça, comment à faire. Mais je vous donne cet exemple simplement pour spécifiquement parler quand je reçois ce type d'information. Définitivement, je peux recevoir information pendant les séances, quand les gens viennent me voir pour les séances, et les gens me posent les questions. C'est qui je suis, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes talents, pourquoi je suis individuel, etc. Et j'ai fait ce type de recherche pour chacun client. Mais cette fois-ci, c'était cinq personnes dans le groupe. Et pas mal, avec ces cinq exemples, je vais vous donner juste un exemple, comment j'ai vu, comment j'ai touché le côté individuel de chaque personne. Aussi, vous devez comprendre que quand je fais initiation Reiki, je ne cherche pas cette information-là. Le but de ma pratique, ce n'est pas du tout ça. C'est juste le contact initial et après ça, je dois aller plus loin dans le rituel. Nous avons 33 étapes dans notre rituel initiation. Mais il y a le moment quand je dois entrer en contact mon âme et âme des clients. Ça peut durer une minute au moins, 2 minutes, dépendamment comment, avec quelle facilité je vais toucher l'âme de cette personne-là. C'est pas
d'habitude ma condition. Hein? Je suis capable dans n'importe quelle circonstance, mais à l'uni de tous les problèmes, y rester comme canalisé, mais c'est plutôt dépendamment des conditions des personnes. Juste un exemple. Il y a une femme, je peux le nommer Mary. OK, Mary. Et Mary, ce n'est pas nouveau, tout que énergétique pour Mary. J'ai déjà fait le cours avec quelqu'une de mes collègues. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant en Mary? Que pendant l'apprentissage, pendant la conversation, elle pose beaucoup de questions. Elle demande des fois même chose deux, trois fois. Quelque chose que tout le monde déjà bien compris, pour elle c'est difficile encore et elle n'est pas nouvelle dans une énergie. C'est comme ça, qu'est-ce que j'ai trouvé comme psychologiquement, juste en observation. Et quand je suis en contact mon âme à son âme, je trouve que au début c'était pas trop facile pour moi aller dans un point final. Parce que dans ce cheminement, dans cette canalisation, dans cette méditation, il y a quelques états que je dois toucher. Chaque fois, je dois toucher comme le niveau âme corporelle ou âme égoïstique ou personnalité plus bas. C'est très facile. Avec la personnalité plus bas, c'est toujours très facile. Et pour quelques, je peux aller tout de suite dans les niveaux plus hauts, dans l'homme individuel ou la partie de Dieu. Mais pour elle, pour Mary, j'ai trouvé que, OK, comme il y a le blocage, il y a le blocage, il y a la plateforme, il y a le niveau que je ne peux pas aller tout de suite plus loin. Mais j'ai fait petit effort et voilà, je suis en contact. Qu'est-ce que j'ai trouvé avec Mary? J'ai trouvé que dans sa personnalité, mais premièrement, comment je trouve, par quel outil je comprends ou je vois information. Simplement, cette fois ici, je veux, avec comme les petites histoires, comme les petits films, comme les photos, des fois on voit comme ça, j'ai vu qu'il y a petite fille très, très, très contente, très, très romantique, qui joue avec la fleur. Petite fille qui joue avec la fleur. Et aussi, très contente, très joyeuse. Comme ça, je comprends que les spécifications ou les côtés uniques de Mary, c'est une personne romantique, c'est une personne qui garde beaucoup de joie, c'est la personne qui aime tout que art, parce que jouer avec la fleur, tout de suite la couleur, etc., courir, voilà, ça c'est la personnalité de Mary. C'est ça que, après l'initiation, j'ai parlé avec elle. Parce que j'ai fait le rituel, tout est beau, tout est correct, et quand j'ai en communication avec Mary, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, regarde, maintenant, comment je te vois ici, quand tu es dans notre classe, quand tu parles, etc., je trouve que tu veux utiliser beaucoup de logique, tu veux utiliser beaucoup de cerveau dans la compréhension. C'est pour ça que c'est difficile pour toi, parce que ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est vraiment jouer, danser, chanter, couleur, peinture, etc. Et si tu développais une autre partie de toi, comme très cartésien, très logique, tout je dois comprendre, tout je dois poser millions de questions jusqu'à ce que c'est très, très clair pour moi, tu veux, ce n'est pas idéal. Parce que tu ne vives pas dans ta mission, tu ne vives pas dans tes talents. Tu veux développer quelque chose que difficile pour toi et oui, ça peut être bonne leçon karmique à développer ce deuxième côté, mais en même temps, tu ne peux pas ignorer la meilleure partie de toi. Et elle pose la question, j'ai dit, waouh, Mary, est-ce que tu vraiment aimes danser et tout ça et tout ça et tout ça? Elle dit, oui, chanter, chanter.
et couleurs et tout. Et j'ai vu que deuxième partie de notre journée, sa personnalité changeait. Elle était déjà un peu différente. OK, ça c'est pour elle. J'ai cet exemple. Après ça, il y a les couples dans la classe, les couples des deux amoureux. Et au début, c'est une femme c'est une femme ou garçon. OK, par exemple, c'est un garçon ou jeune homme qui j'ai initié et encore, je suis dans le même mouvement, dans le même apprentissage pour moi, dans le même effort pour moi, reconnecter avec son âme. Et quand je viens dans ce contact-là, c'est beaucoup plus vite que, par exemple, avec Mary, je peux lui nommer Andrew. OK, beaucoup plus vite avec Andrew. Et je trouve lui un peu comme Mary. C'est un garçon qui est très joyeux, qui veut que voir, qui veut que explorer. Il est arrivé ici sur la planète, vraiment comme les touristes viennent dans un pays particulier pour explorer les choses. OK, j'ai partagé cette information avec lui, avec Andrew, et tout de suite, je suis avec sa femme, avec sa copine, Margaret, par exemple. Avec Margaret, qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'avec Margaret, aussi, il y a même regard, même exploration, même chose de découvrir qu'elle intéresse, mais elle a un peu plus dans le détail. Parce que quand j'ai vu cette femme, son côté âme, je veux qu'elle regarde les yeux, les concentrations un peu plus que pour Andrew. Mais qu'est-ce qui est intéressant, et j'ai parlé à ce couple après, parce que j'étais très bien surprise que c'est maintenant le couple, les amoureux. Et j'ai trouvé que dans son âme, il y a beaucoup dans ses âmes, dans les deux personnes, il y a beaucoup de similarités. Je lui ai félicité. Je lui ai dit, waouh, je trouve que vous avez cette similarité dans vous. Vous regardez dans la même direction. Même chose vous intéresse. Vous êtes presque pareil. Mais le garçon veut un peu plus comme rester libre, juste, OK, plus libre, moins attaché avec les choses. Et la fille, la femme, elle veut explorer, mais avec un peu plus de détails. Et les couples me retournent comme les commentaires. J'ai déjà oublié cet épisode-là, mais au début de cette année 2022, au début des années des tigres, j'ai organisé aussi sur Zoom une petite rencontre pour planifier l'année, pour méditer pour la bonne année. Et j'ai proposé à les gens choisir, je pense, comme six objets très, très, très différents, comme les stylos, comme les rouges des lèvres. Comme les objets de voyage, la lunette, d'autres choses, comme les cinq à six objets complètement différents. Et pendant la méditation, les gens doivent chercher quel objet lui intéresse plus, quel objet lui inspire plus, spécifiquement dans l'année qui vient. Et les couples de personnes tirer les objets de voyage. J'ai oublié ça, mais les gens m'ont parlé que oui, Tania, tu veux qu'on tire les objets de voyage. Et plus tard, il m'a déjà parlé que le couple déjà voyagé en Asie, je ne sais pas que c'est comme ça, en Asie, voyagé comme plusieurs des pays, Vietnam, après ça, Costa Rica, non pas Costa Rica, Vietnam, après ça, Thaïlande, etc., que le couple déjà voyagé. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et en réalité, la femme, c'est une maman de trois enfants. Garçon, il n'a jamais vu les enfants. Tu veux, mais ce n'est pas le premier mariage, ni pour elle, ni pour lui, pas le premier couple. C'est comme l'autre priorité, les autres priorités sont complètement différentes. Par exemple, sur les enfants. Mais la priorité
primordiale comme ton esprit, cet esprit de voyageur, cet esprit d'explorateur, garde ce couple vraiment comme dans une famille, dans une âme sœur, les âmes sœurs, parce que c'est très, très proche les intérêts. C'était très intéressant regarder ça avec toute cette compréhension et partage qu'on fait. L'autre exemple, un autre exemple, oui, il y a un très, très intéressant. Ce prochain exemple, c'est très intéressant. Je peux nommer cette femme Elena. Et Elena, je n'ai pas très bien connu cette femme-là. Elle n'a pas pris les cours en énergie avec moi, qu'elle était pas mal pour moi connue, mais n'est pas du tout connue. Et le moment que mais j'ai initié au deuxième niveau, premier niveau aussi, moi, j'ai initié, mais en même temps, je ne garde pas les mémoires de chaque personne, parce que si je vais garder cette mémoire trop dans ma tête. Mais la deuxième initiation, et je suis avec Elena, je viens en contact, toucher son grand soi, son âme, et qu'est-ce que je trouve là? Lorsque j'entre ici, c'est moins visuel, mais ici, c'est la compréhension, je comprends. Je comprends comment. Il y a comme les pensées dans ma tête. Il y a comme les clarités dans ma tête que cette femme est très, très sage. C'est quelqu'une très intelligente, mais intelligente dans tous les aspects de la vie. Tellement sage que, comme j'ai dit plus tard, après initiation, j'ai donné la suggestion que tu dois partager ton opinion. Si tu as une opinion sur n'importe quelle situation dans la vie ou n'importe quel de tes clients, tu dois partager ton opinion. Parce qu'elle, avec ce niveau de sagesse que j'ai trouvé, elle est capable de donner très bons conseils. Et c'est sûr que j'ai jamais donné le même conseil à n'importe qui que parle tout le temps ou partage ton opinion, dépendamment de notre expérience karmique. Dépendamment si notre âme est plus intelligente, comme j'ai dit, ou plus sage, ou moins sage, parce que vous savez que nous avons beaucoup de réincarnations. Et même âme universelle entre dans le corps physique plusieurs des fois. Et le corps physique ou âme personnelle, plus tard, développe cette expérience-là, développe les connaissances pendant chaque vie, avec chaque moment difficile, avec chaque moment critique. Indépendamment des bagages que nous avons déjà après vie, après vie, après vie, qu'est-ce que vous portez dans votre sac du dos? OK? C'est comme ça, plus tard, vous pouvez utiliser. Et j'ai trouvé pour Elena qu'elle est très, très sage. Si vous regardez cette personne vraiment comme ça, physiquement, en avant de vous, OK, c'est une femme immigrante qui ne parle pas très bien français à ce moment-là. Elle travaille comme massothérapeute. Elle fait le travail dans les routines, etc. Mais plus, c'est pas nécessairement que le premier regard, et vous pouvez tout de suite penser que, waouh, c'est quelqu'un comme le gourou. Non, ça ne donne pas. Physiquement, ça ne donne pas cette impression-là. C'est pour ça que j'ai dit que chaque fois, quand je suis en contact plus haut, je peux trouver beaucoup de surprises pour moi-même, que je comprends cette personne complètement différemment. Et voilà, c'est ça que j'ai suggéré à Elena que tu dois partager. N'hésite pas à garder ton opinion pour toi. Si tu as les idées, parle. Parce que toi, tu as déjà développé beaucoup de sagesse pendant plusieurs des vies. Et voilà, c'est comme ça encore on comprend la personnalité plus profondément que peut-être elle-même comprendre soi-même. Parce qu'encore, si nous sommes capables de toucher l'âme supérieure, ce n'est pas nécessairement que chaque personne vivant sur la Terre est capable de communiquer avec son âme universel. Pas du tout. Et le cinquième cas, OK, avec le cinquième cas, oui, le cinquième cas était aussi très intéressant parce que cette femme, c'est une femme très, très, très émotionnelle.
incroyable, émotionnelle, aussi une immigrante européenne qui a déjà plusieurs des années ici avec son mari, avec les deux enfants, le plus petit enfant, c'est 3 ans encore, et les femmes jeunes, très émotionnelles. Elle fait aussi les cours déjà dans notre école et je compris avec ses commentaires que pendant les cours, elle pleurait beaucoup. Et elle s'installe dans notre classe, elle cherche le Kleenex et elle met tout de suite sur la table, près d'elle, parce qu'elle déjà s'est associée avec quelqu'un qui est pessimiste, avec quelqu'un qui pleure, avec quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, avec quelqu'un qui n'est pas satisfait à la vie. Et, OK, pour moi, c'était très intéressant et pour vous aussi, partager mon recherche. C'est quoi elle vraie, vraiment? Est-ce qu'elle vraiment tellement comme en douceur ou fragile? Ou et si oui, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça dans sa vie? Et finalement, je suis dans contact avec elle. Elle nommée Magali, avec Magali. Et vous comprenez son image. Que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, n'est pas très dans les joies, mais beaucoup plus réservé et aussi avec les Kleenex sur le côté. OK. Et j'entre dans contact avec ce grand soi. Qu'est-ce que je trouve là? Quand j'entre là, vraiment, je viens étape après étape, étape après étape. Je pense qu'avec elle, c'était aussi un peu plus difficile qu'avec les autres personnes. 3 autres personnes étaient faciles. Mais ces 2 personnes, c'était un peu plus. Ça a pris quelques secondes extra. Mais quand je suis là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une image et la compréhension. Ici, comme c'est l'image et compréhension pour comprendre qui est là. Quelle image je trouve? Je trouve une image, ça vient dans ma tête, image, comme Bouddha méditant avec les yeux fermés. Vraiment comme quelqu'un qui médite avec les yeux fermés. Les yeux fermés, ça veut dire que tu as tellement calme, tu ne vois pas les choses, tu n'es pas intéressé dans les choses, rien du tout. Tu vraiment entres en toi, comme le moine qui fait les prières presque tout le temps. Et le mot, parce que j'ai dit que c'est une image, plus compréhension. Mais ici, compréhension, pour moi, entrée avec le mot particulier, en sanskrit. Ça s'appelle tapasya. Plus tard, je vais l'expliquer c'est quoi tapasya. Et je vais recommander de regarder c'est quoi exactement. Mais tapasya, au tapas, c'est vraiment les conditions de se détacher complètement de tout, entrer en soi et oublier tout, oublier le monde, oublier toi, oublier tout. C'est vraiment une méditation très, très calme et très, très profonde, quand tu ne cherches pas du tout, ni images, ni des idées, rien du tout. Ça, c'est tapasya. Et j'ai vu cette image-là. Le Bouddha avec ses yeux fermés et le mot tapasya que j'ai partagé avec elle. Je pense que vous déjà comprenez une idée que son âme, c'est âme méditative, c'est âme qui doit entrer beaucoup des inner visions, intérieures dans soi, rester avec. Regarde plus interne que externe. La vie intérieure, qu'est-ce qui se passe avec elle, avec peut-être les ressentis, peut-être les pensées, peut-être les valeurs, etc. Pour elle, elle doit rester là, au lieu que c'est intégré beaucoup au monde, à la société, au travail, etc. Et en réalité, pourquoi elle pleure? Parce qu'elle nous donnait seule France. Je me juge que je ne suis pas active. Ça, c'est comme ça. Elle expliquait dans 2 mots pourquoi elle pleure, pourquoi elle n'est pas satisfaite. Et ici, je pense que vous êtes avec moi pour comprendre que d'être active, ce n'est pas ta nature. Ce
Et si tu veux être active, 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 et tu penses, je dois prendre ces cours-là, je dois aller dans cette cours d'apprentissage, je dois travailler plus, je dois préparer les projets, etc. Plus tu viens dans cette activité-là, plus loin de toi naturel, de toi normal, de toi qui satisfait, qui contente la vie. Et voilà, c'est pour ça les femmes pleurent tout le temps. Tu veux, c'est ça que j'ai suggéré. Tu dois trouver le moment pour toi, oublier le monde. Les enfants, d'accord, les enfants peuvent jouer avec toi près de toi ici, mais tu dois te calmer beaucoup plus que maintenant. Il n'est pas chercher activité, mais chercher à rien faire. Comme ça, tu vas entrer dans toi qui est vrai et comme ça, tu es plus productive au monde que peut-être quelqu'un d'autre. Parce que les gens comme ça, elles peuvent devenir les philosophes. Elles peuvent trouver quelque chose que les autres ne voient pas parce qu'ils sont très extérieurs et elle doit être intérieure. Voilà, c'est comme ça les cinq exemples que je vais vous donner avec cette cours que j'ai juste donné ici quelques jours. C'est tout maintenant vif dans la mémoire. Hein. C'est pour ça que j'utilise tout de suite maintenant. Et aussi les suggestions ou les commentaires. Hein. Ou la logique, ou la regarde ici pour comprendre la situation, pour analyser c'est quoi la mission, c'est quoi les dharmas, ou c'est quoi les caractères d'âme de chaque personne, et si c'est réalisé, il y a la grande joie, par exemple, le couple qui aime voyager, ou si ce n'est pas réalisé, si tu es très loin de toi, partie de Dieu, dans ton caractère, dans ton nuance, dans ton couleur, dans ton aroma spirituel, si tu es loin, ok, la vie ne fonctionne pas de façon idéale parce que tu as oublié c'est quoi toi. Et il n'est pas des réalisations, il n'est pas des satisfactions simplement parce que tu vis n'est pas ta vie. Pour retourner à ta vie, tu dois comprendre c'est quoi moi suprême, c'est quoi mon âme, c'est quoi mon esprit, qui je suis, la partie de Dieu.